communauté salut les winners j'espère que vous allez bien moi ça va bienvenue sur demeure officielle heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne abonnez vous n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos alors là vite fait je vous reparle encore de cette influenceuse dont je vous ai parlé hier il s'agit de Océane, c'est une influenceuse et candidate de télé réalité la soeur jumelle de Marine, ok Alors là, aujourd'hui, je vous ai mis Océane et Marine, donc sa soeur jumelle. Au fait, pour ceux qui n'ont pas suivi l'émission que j'ai postée hier, Océane sur ses réseaux sociaux, elle est influenceuse et candidate de télé-réalité. Comme je vous ai dit, elle a plus de 800 000 followers et voilà, elle est très suivie sur les réseaux sociaux. Alors, elle avait fait un post dernièrement sur ses réseaux sociaux dans, euh, dans une cabine de classe faire, en fait, pendant un vol, elle voyageait pour Monaco et là, elle a euh, posté. La photo dans bon, cette cabine-là de classe affaire, elle est écrit Next Stop à Monaco, ok Alors, plus tard, elle est retournée dans la place qu'elle avait vraiment payée, la classe echo Et à côté d'elle, il y avait du monde et tout ça, la classe echo Certainement qu'il y a eu des gens qui l'ont reconnue, qui se sont dit, tiens, c'est la fille de la télé-réalité et tout ça. Alors, discrètement, quelqu'un lui a pris en photo et a fait circuler ça sur les réseaux sociaux, genre, mort de rire euh, Océane en classe éco, ça fait le tour des réseaux sociaux parce que c'est une influenceuse, c'est une candidate de télé-réalité. Vous savez, le genre de vie de rêve qu'elle nous vante sur les réseaux sociaux, on ne pouvait pas la retrouver à la classe éco. Au fait, ça a juste choqué. Surtout que avant ça, elle avait posté qu'elle était à la classe à faire. Au fait, parce que la photo qu'elle avait, pu, qu avait publiée n'avait rien à voir avec là où les gens l'ont vue. Alors ça a pété sur la toile. Les gens en ont parlé. Les gens l'ont beaucoup critiqué et tout ça. Je pense même avoir prodigué des conseils à la jeunesse et tout. Alors là, tout à l'heure, j'étais en train de faire le tour des réseaux sociaux. Je suis repassée euh, sur son compte Instagram et j'ai vu qu'elle avait posté une photo d'elle cette fois-là avec sa soeur jumelle. En classe à faire, au en fait, les deux côte à côte. <laughs> Juste ridicule. Genre, elles ont fait un doigt d'honneur et tout ça. Et elle a posté, elle a dit... Euh, Cette fois-ci, promis, j'ai payé. Elle a mis deux coupes de champagne. Elle a tagué sa soeur jumelle. Donc, elle a écrit... Euh, cette fois-ci, euh, promis, j'ai payé, ok Et puis, elle a mis deux coupes de champagne et tout ça, mais sur la photo, elle fait un doigt d'honneur avec sa soeur jumelle. Je vous jure, les commentaires de chat, les gens ont commenté, les gens se sont marrés, les gens se sont moqués d'elle, les gens ont dit, tu vois, tu as voulu rattraper l'erreur, ou encore tu as voulu rattraper cette... Choses et tout, les gens leur ont dit pitié à eux. Vous, vous pensez que vous êtes en train de prouver qui au fait et tout ça. Restez simple, c'est parce que vous aimez donner une vie que vous n'avez pas. Les gens leur ont beaucoup critiqué. Voilà pourquoi je redis encore à la jeunesse restez vous-même, arrêtez de vous laisser influencer par les influenceurs. Elles ne sont pas toujours ce qu'elles prétendent être sur les réseaux sociaux. Il y en a qui sont vraiment ça. Et on a à travers la télé-réalité, à travers les placements produits, à travers la vie d'influenceuse, elles sont arrivées à avoir une vie de luxe et tout. Elles ont vraiment. Mais peut-être il y a de ceux qui l'ont eu. Pas de la même manière que vous le pensez, hein. d'autres c'est à travers leur travail de dur labeur, en postant des choses, en faisant des placements produits, en postant des contenus. D'autres c'est parce que comme elle est influente, elle est sur les réseaux sociaux, elle attire forcément les regards, c'est les chugadadis qui sont venus autour. D'autres, elle n'a pas travaillé dans, elle a travaillé dans l'illégalité et puis elle a eu de l'argent et puis voilà. D'autres, mais ne sont en tout cas rien de tout ça. Hein. Elles n'ont même pas cette vie. Elles s'inventent juste une vie pour attirer les regards sur eux. Alors, cherchez votre argent par vous-même, même si vous voulez devenir influenceuse. Le, la, la vie d'influenceuse, ce n'est pas un travail à, euh, comme ça que tu fais pour rien. Il faut toujours avoir un objectif caché derrière un projet. Voilà pourquoi la plupart sont... Euh, genre, elle a commencé, après demain, elle a lancé sa marque de parfum, de lotion, de ceci de cela. Elles font toujours ça parce que, au fait, après avoir fait tout ça, il faudrait investir dans quelque chose. Tu ne vas pas continuer d'être influenceuse, influenceuse, juste tu poses juste toute ta vie au fait. Il faudrait que ça que tu puisses créer un truc au fait. Ça peut être raisonnable, c'est la suite logique, vous voyez. Donc restez vous-même, restez simple. Donc là, peut-être qu'elle était obligée de faire ça, juste pour montrer au monde que j'avais l'argent pour me payer, mais j'ai voulu faire la simple, j'ai voulu faire dans la simplicité, juste m'afficher en classe éco, c'est tout. Mais j'avais l'argent, je peux me permettre les billets, classe affaires et tout. Mais la course, tu l'as fait avec personne au fait. Le problème, c'est que tu avais déjà menti et c'est resté comme ça. Tu as fait croire que tu étais en classe affaires, or tu étais en classe éco. Tu as déjà menti à la toile. C'est juste ça, tu voulais impressionner. Ça t'a pété à la gueule. Et depuis, euh, qui va encore croire à ça et Après, les influenceuses. Elles sont deux fois dans ce genre de choses très souvent. Mais au moins, ça leur a servi de leçon, que ce soit elle ou sa sœur. En tout cas, c'était juste honteux. Pour ceux qui n'ont pas suivi cette vidéo-là, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous allez cliquer, vous allez aller suivre. Comme ça, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Vous allez probablement même voir cette photo-là. Dans l'autre temps, portez-vous bien. Je vous souhaite bien des bonnes choses et je vous dis à très prochainement. Bisous, bye.